me vit. Impossible d'accéder à l'appel des anciens sans couper les cordes à distance. Je vais avoir besoin d'un outil pour ça. Un disque solaire. Bon, pour l'instant, je dois retourner à l'étreinte de l'aube, demander à Radel si elle peut réparer ce boîtier, et peut-être fabriquer un disque solaire tant que j'y suis. Je vais en avoir besoin. Tu as trouvé, Euryd ? Il m'a trouvé. Tu pourrais me faire une boîte ? C'est un signal de transmetteur codé. Un peu comme une clé. Avec les bonnes pièces, un aura en ferait un, les yeux fermés. Mais pourquoi Euryd l'aurait-il détruit ? Pour m'empêcher de le suivre. Euryd n'est pas revenu parce qu'il en a fait une affaire personnelle. Tu sais pourquoi ? Quand il est parti, il poursuivait un gueule d'orage. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour fabriquer un autre ? Transmetteur. Pourquoi te faut-il un transmetteur, Rias ? Pour trouver mon frère qui semble s'être emporté par sa soif de vengeance. Je pense qu'Uryd connaît les Océram qu'il poursuit. Au moins la femme qui est à leur tête. Acera. Qui est Acera ? Une disciple de Derval. Un Océram qui a tenté de détruire Meridian. Mais Uryd nous a dit qu'Acera était morte, tuée en territoire Banouk. Un chef local a dit qu'Acera était morte. Tu n'as pas laissé Uryd vérifier. C'est que nos voisins n'apprécient pas vraiment que les soldats Karja traversent leurs frontières. Comment sais-tu qu'Acera est en vie ? Les yeux marrons, plutôt nerveuses, voudraient bien pouvoir piquer de sa lame tous les Karja. Je l'ai vu, puis j'ai vu Uryd. Et il faut arranger ce transmetteur pour pouvoir les rattraper. D'après l'endroit où tu as vu Acera,
Les Océram et elle avaient sans doute un campement sur l'appel des anciens. S'ils sont partis en urgence, il reste peut-être des composants là-bas. Sinon, un ratisseur te dirait d'aller fouiller les ruines anciennes d'Aquila. Alors c'est ça le plan. On laisse Acera en liberté et je cherche des pièces. Tu chercheras un moyen d'avancer. Je vais retourner à Méridian demander à sa luminance Avad d'envoyer des hommes à la frontière, au cas où Acera posséderait d'autres leurs. Tâche de réparer celui-là, Rias. Et retrouve Acera. Alors c'est juste toi et moi. En fait, c'est toi qui vas aller chercher les composants. Commençons par l'appel des anciens. Je devrais y trouver des composants. Mais il me faut un disque solaire pour explorer la zone. Je devrais en fabriquer un avant de partir. Tu aimes me rapporter des trucs cassés? Je n'ai pas trouvé que cette boîte. Uride a laissé sa broche, la flèche du soleil, près de l'espèce de treuil. Le système de poulet activable à distance. Uride a travaillé sa vie entière pour obtenir cet honneur du roi soleil. Pourquoi l'aurait-il laissé là? Apparemment, il est parti vers l'Astrolance pour devancer le gueule d'orage. Et il nous a abandonnés tous les deux. Je ne sais pas qui est cet Acera, mais Uride est complètement obsédé. Quand Uride l'a-t-il rencontré? Il ne l'a pas rencontré. Marad nous a envoyé enquêter sur une caravane de provisions qui a disparu à la frontière Banouk. Tout le monde a été tué. C'était... Je n'avais rien vu de tel depuis les Raids Rouges. Sauf que cette fois, les morts étaient Karja. Uride était furieux. Il a hurlé face aux montagnes. Je l'avais jamais vu comme ça. Il voulait traquer les coupables de l'autre côté de la frontière. Marad nous a empêchés de les suivre. Les Banouk ont dit qu'Acera était morte. Qui est Acera? Qui est Acera? Est-ce que tu réalises ce que les Karja ont infligé aux Océram pendant les Raids Rouges? Des familles entières ont disparu, des villages entiers. Pour certains, cette guerre n'est pas finie. Elle ne le sera jamais. C'est une fanatique. Dit celui qui a suivi les partisans de l'ancien roi Soleil alors qu'il voulait continuer le massacre. Aux yeux de ses fidèles, ce n'est pas une fanatique. Elle rend justice. Tu es sûr de pouvoir réparer ce transmetteur? À condition que tu trouves les composants. Je trouverai Acera. Tu devras trouver les composants d'abord.